C'est le général de Gaulle qui a ouvert les frontières. C'est le général de Gaulle qui a fait le choix de l'Europe. Nulle arrogance dans la revendication du général de Gaulle. Simplement, il assumait l'universalisme qui a toujours été au cœur de la pensée et de la politique de la France. Il avait voulu que la France, toujours fidèle à elle-même, parlât à tous les hommes et tendît la main à tous les peuples. Jamais l'amour de la patrie, jamais le sentiment national ne s'était confondu chez lui avec la tentation du repliement. Ça n'a jamais existé. Et il avait surtout montré aux Français que l'on pouvait aimer son pays sans détester les autres. Il avait toujours agi en partageant avec tous ceux qui l'avaient accompagné cette conviction profonde que si certains pays ne sont jamais plus grands que lorsqu'ils le sont pour eux-mêmes, la France, elle, n'est jamais plus grande que lorsqu'elle l'est pour les autres. Il a toujours su aussi, le général de Gaulle, que lorsque rien ne change, il n'y a pas d'autre issue que le déclin. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France.